recevons une dame et pas des moindres, comme annoncé dans l'aperçu que vous avez pu avoir dans vos médias, dans vos téléphones portables, dans vos ordinateurs. Elle s'appelle Big Mami, comme on la surnomme, et du vrai nom, c'est Madame Alette Siwe, dont on ne fait plus aujourd'hui les présentations parce que son parcours dans les schémas de la révolution en diaspora au Cameroun aussi est assez bien connu et assez bien défini quand on sait les actions qu'elle a menées jusqu'ici. Elle nous vient aujourd'hui dans un schéma particulier, c'est un droit de réponse. Un droit de réponse, pas n'importe lequel, celui-là qui est axé sur la question de 14 000 euros. Alors, sans plus tarder, pour que vous sachiez réellement de quoi il est question, je m'avais donc salué ici la très connue Big Mami. Big Mami, bonsoir et bienvenue dans le studio. Bonsoir, Monsieur Stevie Sam. Je vous remercie de m'accueillir sur votre plateau. C'est toujours un honneur pour moi de venir dans une de vos émissions que j'estime de qualité et dont j'ai l'intime conviction qu'on en aura besoin demain, quand ce combat prendra fin et que l'horizon s'éclaircira. Vous êtes un homme de l'avenir, vous êtes la relève et vos initiatives sont encouragées. Je pense, sans rentrer dans des petites polémiques, que les animateurs publics et les vociférateurs de la toile baisseront leurs rideaux sur leur scène de théâtre à série, qui disparaîtront naturellement pour laisser place aux vrais panélistes, aux émissions de bon contenu et d'utilité publique, avec des journalistes de métier compétents, qui se donnent la peine de faire un vrai travail d'investigation afin de restaurer la vérité et de rendre une information propre et fiable au public. Je salue les résistants diasporiques, donc qui sont ici sur votre antenne, et je salue le peuple camerounais sans distinction d'origine ethnique, d'obédience religieuse, d'appartenance politique ni de classe sociale. Je salue tous ceux qui sont dans une lutte sincère pour le devenir du Cameroun et non pour leur épanouissement personnel à travers la ruse, le mensonge et la malice. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Monsieur Sivier, et de répondre à la question qui m'a été posée, permettez-moi de saluer la mémoire de tous ceux qui ont disparu cette année 2020 du fait de la pandémie du COVID-19 et d'adresser un mot de réconfort pour leur famille. Souhaiter un bon courage et un bon rétablissement à tous ceux qui sont encore malades, touchés par ce fléau. J'aimerais aussi saluer tous les combattants de la justice et de la vérité qui ont perdu un être cher cette année, un parent, un père ou une mère, un oncle ou une tante, un frère ou une sœur, un enfant, un ami, et qui malheureusement n'ont pas eu l'occasion de pouvoir les accompagner dans la dignité. Je renouvelle mes souhaits de sincères condoléances, sans les citer nommément, ils se reconnaîtront. Enfin, je m'incline devant la mémoire de toutes les femmes et enfants qui ont été sauvagement assassinés dans le Nouzo, et de toutes les victimes innocentes de cette guerre qui dure depuis 4 ans bientôt et qui va entrer dans sa 5e année. J'ai une pensée pour les familles meurtries, j'ai mal pour mon pays. Je pense que des milliers de morts, ça suffit. Une partie de notre pays est un champ de ruines dans lequel le sang coule quasiment tous les jours. C'est la désespérance partout pour les personnes issues de ces régions. Pour cela, toutes les initiatives sont encouragées pour un vrai dialogue avec toutes les parties belligérantes et un cessez-le-feu, car chaque jour, chaque semaine qui passe, c'est encore autant de vies perdues, autant de familles dans la souffrance. Nous devons aller à la paix. Voilà, c'est mon point de vue. Super. Merci encore pour cette lecture assez bien détaillée, bien étayée, bien argumentée. Merci pour les compliments envoyés à ma personne. Je profite ici pour rappeler à tous ceux qui sont connectés que le travail de la dame qui est au téléphone, de Madame Alette Siwe, de Big Mami, comme on la connaît, est aujourd'hui reconnu par l'ensemble des activistes sur la toile. On a déjà eu le privilège de la recevoir toujours sur les plateaux de Stevie. C'était dans un autre contexte. Et aujourd'hui, elle nous vient dans un contexte particulier. Souhaiter un bon courage et un bon rétablissement à tous ceux qui sont encore malades, touchés par ce fléau. J'aimerais aussi saluer tous les combattants de la justice et de la vérité qui ont perdu un être cher cette année. Un parent, un père ou une mère, un oncle ou une tante, un frère ou une sœur, un enfant, un ami.
et qui malheureusement n'ont pas eu l'occasion de pouvoir les accompagner dans la dignité. Je renouvelle mes souhaits de sincères condoléances, sans les citer nommément, ils se reconnaîtront. Enfin, je m'incline devant la mémoire de toutes les femmes et enfants qui ont été sauvagement assassinés dans le Nozo et de toutes les victimes innocentes de cette guerre qui dure depuis 4 ans bientôt et qui va entrer dans sa 5e année. J'ai une pensée pour les familles meurtries, j'ai mal pour mon pays. Je pense que des milliers de morts, ça suffit. Une partie de notre pays est un champ de ruines dans lequel le sang coule, quasiment tous les jours. C'est la désespérance partout. Pour les personnes issues de ces régions, pour cela, toutes les initiatives sont encouragées pour un vrai dialogue avec toutes les parties belligérantes et un cessez-le-feu, car chaque jour, chaque semaine qui passe, c'est encore autant de vies perdues, autant de familles dans la souffrance. Nous devons aller à la paix. Voilà, c'est mon point de vue. Super. 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 Merci encore pour cette lecture assez bien, bien détaillée, bien étayée, bien, bien argumentée. Merci pour les compliments envoyés à ma personne. Je profite ici pour rappeler à tous ceux qui sont connectés que le travail de la dame qui est au téléphone, de Madame Alette Sioui, de Big Mami, comme on la connaît, est aujourd'hui reconnu par l'ensemble des activistes sur la toile. On a déjà eu le privilège de la recevoir toujours sur les plateaux de Stevie. C'était dans un autre contexte. Et aujourd'hui, elle nous vient dans un contexte particulier. Merci encore pour cette lecture assez bien, bien détaillée, bien étayée, bien, bien argumentée. Merci pour les compliments envoyés à ma personne. Je profite ici pour rappeler à tous ceux qui sont connectés que le travail de la dame qui est au téléphone, de Madame Alette Sioui, de Big Mami, comme on la connaît, est aujourd'hui reconnu par l'ensemble des activistes sur la toile. On a déjà eu le privilège de la recevoir toujours sur les plateaux de Stevie. C'était dans un autre contexte. Et aujourd'hui, elle nous vient dans un contexte particulier. C'est vrai qu'à côté de nous, il y a des histoires qui, il y a des événements comme ceux que nous avons connus du côté de Kumba. Nous n'oublions pas cela. Elle a tenu d'ailleurs à rappeler ici ses, voilà, ses condoléances et son état d'esprit vis-à-vis de cette situation qui est indescriptible. Aujourd'hui, nous parlons d'une situation qui est particulièrement particulière, si on me permet l'expression. Madame Big Mami, permets-moi de t'appeler comme ça. Qu'est-ce qui est particulier dans cette affaire des 14 000 euros? Pourquoi as-tu décidé d'en parler ce soir? Une fois de plus, Monsieur Stevie Sam, permettez-moi de faire un clin d'œil avant de répondre à votre question à ce que nous venons de vivre par rapport à l'élection américaine qui a consacré pour la première femme, pour la première fois une femme à la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Et cette femme sera très probablement la prochaine présidente des États-Unis. J'ai éprouvé une intense émotion du fait que ce soit une femme d'abord, issue d'une minorité raciale aussi, à l'heure où au Cameroun, dans notre pays, complètement divisé, on subit le tribalisme d'État, où on rejette les gens du fait de leur appartenance ethnique et où le sentiment national a disparu. Dans ce pays, notre pays, où j'entends dire que tel ne sera pas président parce qu'il est Bamileke, parce qu'il est nordiste, parce qu'il est Bassa, parce qu'il est whatever de n'importe quelle ethnie, vraiment, je rêve. Je rêve qu'un jour, où le Cameroun connaîtra, je rêve de ce jour où le Cameroun connaîtra aussi une femme à la tête de l'État. Quant à l'historique du 18 mai 2019, pardonnez-moi mon émotion, rien qu'à parler de Kamala Harris, ça me met encore des émotions. C'est vraiment un moment historique qu'on a vécu. Quant à la question que vous m'avez parlé pour l'historique du 18 mai 2019, j'aimerais que le public soit au clair avec cette historique.
Qui en sont les initiateurs et qui sont les organisateurs? Je parlerai peu, car vous le savez, l'affaire est déjà aux mains de la justice française et suit son cours. Et je ne vais pas ici révéler le secret de l'instruction, mais je vais dire un minimum sur ce que le public doit savoir pour qu'il cesse d'être manipulé. De toutes les façons, comme je l'ai déjà dit, la justice ne se tient pas dans les réseaux sociaux. Ceux qui pensent que les vues vont leur donner raison dans un tribunal, c'est leur problème. Ils sont libres de rêver. Je rappelle ici que je défends la vérité, la justice. Ce pourquoi je me suis levée pour mon pays, pour que nous ayons aussi une société meilleure au Cameroun, débarrassée de trop de vices, et laisser un pays à peu près assaini pour les générations futures. Par conséquent, je ne vais pas travestir ma moralité, ni renier mes convictions, pour accepter près de moi ce que je dénonce au Cameroun, et qui a contribué à détruire notre pays. À savoir les détournements de fonds publics, les abus de biens sociaux, les vols et les corruptions en tout genre. J'ai tout entendu depuis le début de cette affaire. Des gens disent non, laissons parce que les Sadinats ne doivent pas savoir qu'il y a des voleurs parmi nous. Oh, les Sadinats vont exploiter ça contre notre camp. Oh, laisse parce que c'est un grand combattant. Ou encore, pardon, dis-nous, tu as cotisé combien? Tes gens ont cotisé combien? On va les rembourser. Ou encore, il a volé, ça fait quoi? Ou encore, c'est notre argent. Sans toutefois vouloir t'interrompre, je dirais, moi personnellement, j'ai investi dans cette cagnotte et je dirais pas moins de, voilà, j'ai mis pas moins de 100 euros dans cette cagnotte, mais dans cette cagnotte. Ça, c'est à titre personnel. Et il y a des personnes que nous avons amenées à contribuer dans cette cagnotte du 18-là. Donc, heureusement, à l'époque, on faisait encore des listes des participants et en tant que quelqu'un de l'Allemagne, nous avons fait une délégation qui a non seulement contribué, mais qui était sur le terrain. Et qui a pratiquement les mêmes revendications dont vous faites allusion, voilà, dont vous parlez aujourd'hui. Donc, c'est juste pour dire que ce que vous dites ne s'inscrit pas dans le sens de l'invention. J'en suis, même si je me veux de rester objectif, je me dois quand même de dire que je suis un témoin assez marquant de cette histoire-là. Donc, je comprends clairement votre désagrément, voilà. Je vous remercie pour cette précision. J'aimerais, à la suite de cela, poser la question à tous ceux qui pensent que voler est bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous ont dit, s'il a réussi à voler, c'est sa chance. Ou bien si c'est parce que c'est un grand combattant, il ne faut rien dire, il faut se taire. Bon, je pose la question à savoir, est-ce qu'un grand combattant dans une lutte de résistance, s'il est dans la vérité, détourne systématiquement l'argent alloué aux activités de combat? Ça, je laisse interroger leur propre conscience. Voilà. D'autres, par contre, parmi nous, beaucoup ont démissionné parce que beaucoup de combattants ont été terrorisés. Vous savez que les personnes mises en cause, ce n'est pas des moines. Surtout au début, quand cette personne a mis ma photo, j'ai été dehors en me traitant d'infiltré parce que je lui exigeais dans les groupes de s'expliquer sur le fait de partir avec la caisse d'une organisation. Donc, beaucoup de combattants ont eu peur de subir le même traitement que moi. Ils m'ont dit, laissons pour préserver, pour que nos noms ne souffrent pas trop dans leur bouche, pour éviter qu'ils nous fassent du mal, etc., etc. Alors, je me suis dit, si on doit tolérer que des gens qui sont parmi nous, supposés être là pour combattre l'injustice au Cameroun, soient de vrais caïds, mentent, terrorisent les autres et viennent jouer les héros à Mondovision alors qu'on sait pertinemment que ce sont des gens mauvais et que ce sont des gens qui ont un cœur aussi noir, on ne rendra pas service à la nation car ces gens, par imposture et manipulation, vont encore se retrouver peut-être demain aux affaires près de futurs dirigeants du Cameroun. Et là, ils vont continuer à opérer leurs détournements, vider les caisses, et on n'aura pas avancé dans ce combat, on n'aura pas contribué à aider le Cameroun à progresser.
Voilà. Donc, voilà pourquoi je me suis. Tipeee a pour objectif de généraliser l'usage du tip, le pourboire, sur Internet. Le principe est simple. De la même manière que vous pourriez donner 1 ou 2 euros à un musicien que vous appréciez dans un restaurant, vous pouvez tipper un créateur que vous aimez pour le soutenir dans son travail. Ainsi, Tipeee a pour objectif de généraliser l'usage du tip, le pourboire, sur Internet. Le principe est simple. De la même manière que vous pourriez donner 1 ou 2 euros à un musicien que vous appréciez dans un restaurant, vous pouvez tipper un créateur que vous aimez pour le soutenir dans son travail. Ainsi, le créateur peut continuer à créer dans de bonnes conditions. De la sortie de Maître Amédée Toucault, qui nous a fait savoir clairement que les 14 000 euros avaient été retribués à l'organisation de la Révolution camerounaise. Alors, ce que, avant d'en arriver à Amédée Toucault, vous allez souffrir, je vous prie, Monsieur Stevie, de continuer quand même à rétablir les contextes, parce que ça a leur importance. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, le point positif dans cette affaire, c'est que les choses vont se clarifier au fur et à mesure, les imposteurs et les manipulateurs seront démasqués. L'horizon va s'assainir. Réparer notre pays passe nécessairement par un changement de mentalité, de moralité. Alors pour ça, je ne lésinerai sur aucun effort pour atteindre mes objectifs. Et moi et ceux qui pensent comme moi, malgré les pressions de l'ayatollah principal, que tout le monde connaît, malgré les diffamations, je ne me laisserai pas impressionner. Donc, l'ayatollah que vous connaissez tous, franchement, quand on cherche Paul le disparu au Cameroun, je pense qu'il s'est réincarné en cet individu. Et il se sert toujours de la caution des autres et se cache derrière les autres pour manipuler. Au début, il s'est servi de caporal grillé, heureusement, qui a très vite compris sa dangerosité et s'en est détaché. Puis, il a envoyé Magellan, dont vraiment, franchement, j'ai pitié, connaissant son instabilité et sa fragilité psychologique. Ensuite, il s'est servi des caïds du désert pour s'échapper, vilipender, pour me faire décourager dans les réseaux sociaux. Les caïds du désert. Oui, le gang des caïds du désert, le gang des Dalton. Donc, il s'est servi d'eux, en l'occurrence, le Dalton en chef, le Sénégalais de mère inconnue au Cameroun, que tout le monde connaît. Aujourd'hui, oui. Ce sont des propos durs. Mais c'est des propos réels. Donc aujourd'hui, il a encore réussi à enrôler un homme à une respectabilité apparente, le sieur Amédée Toucault, dont vous venez d'évoquer, pour qu'il lui serve de bouclier et de maquiller son forfait. Vraiment, ce type, c'est un véritable gourou. Donc, le dernier en date, M. Amédée Toucault, qui est donc venu faire son one-man show et tout son cinéma qu'il a fait, pour qui franchement j'avais de la considération en tant qu'un citoyen, je me pose la question s'il est vraiment conscient du projet pour lequel il a pris fait et cause. Mais j'en doute. Il a promis dans cette émission, dans ce live qu'il a fait, qu'il prend pour son compte propre cette affaire et qu'il l'amènera selon les exigences de son gourou. Nous, on lui souhaite la bienvenue. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il se prendra une véritable douche froide. Au mieux, il s'en tirera avec une forte amende. Au pire, il ira en prison. Et dans les deux cas, son imposture sera mise à nu. Sa crédibilité sera entachée. Il endossera désormais la robe du déshonneur à la place de sa robe d'auxiliaire de justice. Ça, c'est ce que je peux dire. Nous irons jusqu'au bout de cette mission. Je viens ici à mon nom propre et en tant que porte-parole du collectif
de suivi qui s'est formé pour veiller sur cette cagnotte du 18 mai. Alors, nous souhaitons mettre en garde Amédée Touko pour lui tirer la sonnette d'alarme dans le cas où il n'en serait pas encore bien conscient, attirer l'attention de ses amis pour lui parler, le raisonner, afin qu'il sorte très vite de cette situation de caution du vol dans lequel il est venu plonger avec ses deux pieds. Nous lui promettons que ce n'est pas de l'eau, mais du sable mouvant dans lequel il s'est embourbé. Il est encore temps pour lui d'en sortir, à moins qu'à la base, qu'il était vraiment trempé lui aussi en complicité de détournement, seule chose qui puisse expliquer son entêtement. Donc, je vais répondre aussi à tous ceux qui pensent que ce qui est important, c'est venir devant le public, charmer, faire le one-man show, étaler son CV pour plaire, afin d'avoir une caution populaire ou une popularité. Non, je ne suis pas venue ici pour ça. Je défends la justice. Et la justice, ce ne sont pas les vues sur Facebook. La justice, elle est indépendante. La justice rend son verdict sur la base des faits et des preuves. Ceux qui font promener leurs photos dans les réseaux sociaux en prétendant qu'ils sont avocats, ça n'impressionnera qu'eux et leurs amis. En France, les détournements de deniers publics se payent cash. En France et en Europe en général, on ne s'amuse pas avec les fonds publics. Et l'utilisation mal à propos des deniers publics coûte cher. N'avez-vous pas vu, Monsieur Stevie, par le passé, des personnalités publiques de premier plan en France, inquiétées par la justice pour des questions de gestion financière opaque? Tout à fait. Voilà. Je profite ici pour rappeler que la loi française sanctionne à 3 ans d'emprisonnement ferme. Tout à fait. Et 375 000 euros d'amende. Tout à fait. Les cas de détournement. Voilà. Je lis là, je cite là ce qui est écrit. Voilà. Donc, tout le monde peut comprendre que M. Amédée Touko risque gros. Et prendre ce genre de risque qu'il est en train de prendre, encore une fois, seuls 2 cas de figure peuvent l'expliquer. Qu'un homme d'une respectabilité apparente puisse quitter la normalité pour s'accrocher à un gang et ne pas prendre conscience qu'il est en chute libre et va certainement se cracher. Un adage dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Regardez, un monsieur comme Amédée Touko, de la respectabilité qu'ils veulent afficher, regardez tous ceux qui sont autour de lui. Posez-vous des questions. Je sais qu'à l'époque, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui, vous et moi, en tant que personnes dans les arcanes de ces mouvements, on peut comprendre comment ça s'est passé. Et je suppose que beaucoup ici ne comprennent pas réellement ce qui s'est passé. Je dois dire ici, vous pouvez m'arrêter à tout moment si je me trompe. Hein. Je sais que les fonds de cette cagnotte ont été envoyés du côté de l'Angleterre, ont été gérés par un mouvement qu'on appelait le Conseil supérieur de la Révolution, de la Résistance à l'époque de CSR. Voilà. Et c'est là que tout est devenu flou. Attendez. Alors, les fonds n'ont pas été envoyés en Angleterre, non. Il y a eu hold-up financier. Retenez bien ceci, hold-up financier. Donc, soit M. Amédée est trempé dans ce hold-up, soit franchement il est bête. Parce que, quel que soit le cas de figure, il en sortira avec le déshonneur. Parce qu'on est sûr de nous, on est sûr de notre dossier. Et il sera désormais la figure vitrine du gang des Dalton. Il en assumera la pleine conséquence. Je m'en arrête là. Pour les éclaircissements par rapport au fonds de 14 000 euros, avant d'en arriver là,
On va démentir un certain nombre de contre-vérités que M. Amédée a annoncées dans son live. Il a dit que, parce que M. Amédée apparaît dans l'histoire en tant que médiateur vraiment très loin dans l'affaire quand tout est déjà fait. Et il avait été mandaté simplement pour ramener ses fonds à Paris. Malheureusement, il est allé, on avait ignoré les liens qu'il avait avec le supposé mis en cause. Il y est resté avec lui et dit désormais que c'est le mis en cause qui doit dire comment les fonds qu'il a braqués vont se gérer. C'est vraiment un non-sens, c'est incroyable. Le CSA, nous, on s'en fiche. Il a dit que dans son live que patati et patata, le CSR est au nom du mis en cause, donc ça veut dire que le CSR lui appartient, machin et tout. Nous, on n'en a rien à faire du CSR, on s'en fiche complètement. Ce CSR dont on a eu connaissance à la conférence de Berlin, c'est-à-dire que quand il y a eu la conférence de Berlin, à la fin dans les résolutions, il est venu avec son sac, il a sorti un papier dans son sac en disant que désormais le CSR est né et que ça va couvrir désormais toutes les organisations de lutte en diaspora. En exigeant que désormais toutes les organisations de lutte, toutes les bases de tous les pays, tous les mouvements devaient cotiser 1 000 euros chaque année dans le compte de ce CSR. 1 000 euros par mouvement. Donc, chaque base, voilà, chaque base, chaque fédération, chaque groupe devait verser 1 000 euros dans la caisse de ce CSR-là chaque année. Soi-disant pour. On parle de personnes qui n'ont pas de travail, puisque la plupart des activistes que je connais n'ont pas de travail. Tout à fait. Et donc, ce CSR pour moi a apparu tout de suite comme une coquille vide. Donc, pour moi, Ça s'est révélé comme une couveuse en vue, une couveuse en vue de détourner l'argent de la résistance. C'est pour ça que je me suis méfié. Juste une question, sans tout pas vous couper, juste une question très vite faite, c'est pour que les gens comprennent clairement. Est-ce que les 1 000 euros qui devaient être envoyés par les fédérations de la base avait un protocole, est-ce qu'il y avait des factures, des reçus, il y a quelqu'un qui contrôlait ça? Déjà, je vais vous dire quelque chose par rapport à ce CSR. Ce document qui sort de son sac en disant qu'il a créé l'association, désormais c'est le CSR. Ce mouvement-là, il en était le président autoproclamé, il en était le trésorier autoproclamé, il en était le secrétaire autoproclamé. Donc, c'était un mouvement qui était entièrement lui. Ah, ok. Alors qu'une association normale, quand elle doit être créée, il faut quand même une assemblée générale de constitution, il faut un bureau, il faut des gens voter, il faut voter les statuts, voilà, tout ça. Mais rien n'était fait, c'est un truc qu'il a sorti de son sac, il a dit aux gens et il a remis dans son sac. Et le lendemain, les fédérations ont commencé à cotiser dans ce CSR-là, tu vois. Donc, les fédérations ont commencé à cotiser dedans, et si bien que quand il a eu les problèmes avec sa colistière, parce que quand il a eu un peu d'argent et de mouvement, il a commencé bien évidemment à l'utiliser dans la gestion de ce qu'ils avaient à faire. Je sais qu'il y a eu une embrouille, si bien que il a dû licencier sa colistière et demander à ce qu'elle lui rende les comptes. Voilà comment pour qu'il lui rende les comptes, donc sa colistière lui a rendu les comptes, et bon, nous on ne s'en est pas mêlé, on ne se mêlait pas de ce qui les regarde. Une chose est sûre, pour revenir à l'historique du 18 mai, qu'est-ce que le public doit savoir, M. Stevie? Je vous prends ici comme témoin et je prends l'ensemble des personnes connectées à cette émission comme témoin pour garder dans la mémoire de l'histoire la vérité que je vais dire maintenant en ce qui concerne l'historique du 18 mai. C'est la seule et unique vérité dont les gens doivent retenir. Et les preuves de ce que j'avance sont conservées et bien archivées et une partie dans les mains de la justice française. J'ai donné une copie.
j'ai fait passer une copie à l'officier de police judiciaire et au procureur de la République. Donc, le contexte du 18 mai, c'est quoi? Le 18 mai survient dans un contexte où le président Kamto était en prison avec tout son directoire. Et c'était une période cruciale où ils étaient vraiment menacés de condamnation de mort par le tribunal militaire de Yaoundé et tout le monde était en émoi par rapport à ça. Ici, en diaspora, on suivait les événements qui se passaient au Cameroun, les convocations au tribunal, machin, tout ça, tatati, tatata. Tout le monde. Là, on est en avril, je rappelle juste, on est en avril 2019. Pour ceux qui sont connectés, voilà. Tu te pousses, tu dans le temps. Tout à fait. 2019. On est en avril 2019. Voilà alors qu'un soir, un des résistants, Max Seigneur Ivoire, était dans son live. Et comme il a l'habitude de parler dans les lives et qu'il en faisait d'ailleurs quotidiennement, j'étais connecté, je suivais son live. Je l'ai entendu dire dans ce live-là, vraiment, comme le président Macron ne veut pas nous écouter, il faut vraiment qu'on fasse une manifestation, une grande manifestation pour réunir le maximum de Camerounais qu'il faut à Paris. Et il a même donné le nom, il faut vraiment le coup de grâce. Voilà, il a donné le nom, il faut organiser un truc comme ça à Paris, le coup de grâce. J'ai entendu ça, je suis resté tranquille. J'ai attendu plusieurs jours, rien. Rien ne s'était passé, rien ne s'était envisagé. Je me suis dit, bon, ces enfants-là, franchement, ils ont parlé comme ils ont l'habitude de parler et que ça va tomber dans l'oubli. Et je trouvais que c'était une proposition intéressante. C'est alors que j'ai trouvé franchement que c'était une bonne idée. Un soir, j'ai téléphoné donc au général Wanto, le général Robert Wanto, pour lui faire part de ce que j'avais entendu dans le live de Max. Et je lui ai précisément dit que j'avais suivi ce live et qu'il avait dit quelque chose d'intéressant, qu'il fallait vraiment une manif de grande envergure à Paris et qu'une telle manif pouvait vraiment pousser le président Macron a fait infléchir un peu les choses au Cameroun. Donc je lui ai dit, vraiment, il n'y a que toi, général Wanto, tu es la seule personne qui puisse faire en sorte que cette idée se concrétise. Du fait que lui et le CCD, ils avaient déjà l'habitude d'organiser des petites marches à Paris, tout ça là, un peu régulièrement, mais je lui ai dit, cette fois-ci, moi, si tu acceptes d'organiser, je te donnerai un coup, je vais t'appuyer et on va faire en sorte que cette proposition-là se transforme vraiment en une réalité. Excuse-moi, donne-moi juste une seconde. Je sais qu'à l'époque, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui, vous et moi, en tant que personnes dans les arcanes de ces mouvements, on peut comprendre comment ça s'est passé et je suppose que beaucoup ici. Ok, ça marche, c'est bon, tu peux continuer. Oui. Donc, tu as demandé au général Wanto de lancer, lancer la chose parce que avec le CCD qui organisait déjà des manifestations, il y avait donc des chances que ça marche, que ça puisse amener le président Macron, président français, à faire donc lâcher un peu du lest au Cameroun et que le procès Moïse Kamto ne soit pas donc victime de ce qui était préparé au Cameroun. Puisque le résistant Max qui était dans son live, c'est quelqu'un qui était arrivé en France à peine 2 ou 3 mois auparavant, je ne sais même pas. C'est quelqu'un que, quand j'entends dire que c'est Max qui est le père du projet de 18 mai, mais je rigole. Lui, il a émis une idée dans un live. Et qui c'est qui a concrétisé? C'est Général Wanto. Max, à l'époque, si tu lui demandais de citer 2 noms de rue à Paris, il ne devait pas savoir parce qu'il venait d'arriver. En plus, il venait d'Italie, ou je ne sais pas d'où, mais nous, on ne s'est pas posé la question d'où il venait. Non, l'information est confirmée, il venait d'Italie. Voilà. Donc, quand j'entends les gens dire c'est lui qui a organisé, comment quelqu'un qui venait d'arriver à Paris, encore, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà, et il n'était pas citoyen français, il n'était pas résident français, il n'avait même pas. L'autorisation encore de vivre sur. Voilà. Comment quelqu'un qui venait d'arriver peut organiser un truc de cette envergure? Non.
Soyons clairs, moi je dis dans le Nouveau Cameroun qu'on veut, disons les vérités, c'est le général Wanto qui a porté ce projet du 18 mai. C'est lui qui a été le chef du commandement opérationnel et je l'ai aidé pour ça. Donc quand j'ai dit à Wanto, vraiment c'est une bonne idée, qu'est-ce que tu en penses? Il n'a pas hésité une seconde, il m'a dit oui, on va aller, on va le faire. Dis-lui que c'est bon, on va le faire. J'ai téléphoné à Max. C'était un après-midi, il vivait encore chez Salomène. Je lui ai dit, l'idée que tu as émise dans ton live était une bonne idée. Et crois-moi, ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. On va concrétiser cette idée et on va la mettre en pratique. Je l'ai informé que j'en avais parlé avec le général Wanto et qu'il était prêt à porter ce projet. Donc, que tout doute soit dissipé autour de la question de qui c'est qui a porté le projet du 18 mai, c'est le général président Wanto Robert. Quoi qu'on puisse accuser aux gens, quoi qu'on puisse reprocher aux gens, il faut donner à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas parce que telle personne, on va l'accuser ou l'incriminer de ci ou ça, qu'on va régner ne serait-ce que ce qu'il a fait. Ce monsieur a porté le projet du 18 mai 2019. Donc, quand il m'a donné son accord, en tant que coordonnatrice, c'est moi sur qui il pouvait compter pour mettre en œuvre. C'est moi qui ai créé le groupe de travail et qui ai amené les gens qui devaient travailler pour concrétiser ce projet. Et quand j'ai créé le groupe, quand j'ai appelé les gens dans le groupe, il n'y avait pas l'ayatollah de Londres, celui qui est parti avec la caisse. J'avais pris le soin de ne pas le mettre. Là, il s'agit de Brice Nitio. Moi, je ne cite pas les contemporains, mais je vous dis que quand nous avons créé le groupe de travail pour initier et commencer le travail pour le 18 mai, il n'était pas dedans, je ne l'avais pas mis. J'avais mis deux personnes qui sont sorties illico presto parmi les gens que j'avais appelés. Cerveau de moineau, nom d'oiseau, le caïd du désert dont je vous ai parlé, le Sénégalais d'origine camerounaise. Je l'avais mis et il est sorti illico presto. Il est sorti du groupe. La deuxième personne qui est sortie du groupe, c'est Platini. Platini, c'était le petit frère du Seigneur Longo. Voilà. Voilà les deux personnes qui sont sorties du groupe. Cerveau de moineau, un nom d'oiseau cerveau de moineau, le caïd du désert, qui aujourd'hui vocifère partout qu'il était membre de l'organisation du 18 mai. Il n'a jamais fait partie de l'organisation du 18 mai. Vous savez quand est-ce qu'il est entré dans le groupe? Parce que j'ai bien voulu le mettre et j'ai toutes les preuves. Quand il est parti, au début... J'espère qu'à la rédaction, vous nous enverrez au moins pour que ceux qui vont nous attaquer après... qu'on puisse au moins se défendre avec des arguments. Tout le dossier est aux mains de la justice. Moi, je vous dirais seulement ça. Le reste, je m'en arrêterai. Là, je n'avancerai plus rien parce que je ne veux pas dire les choses qui doivent être dites plutôt au tribunal. Je vous dis que pour l'organisation du 18 mai, celui qui a accepté et qui a mis toute sa structure en place pour organiser, c'était le général Wanto. Et lorsqu'on a même commencé à travailler sur le terrain, la deuxième personne qui a amené sa structure pour porter le renforcer le projet, c'était la base France de Mado. Voilà. Et ce sont les deux personnes même qui ont légalement déclaré cette manifestation et tous les papiers sont là. Et tu sais que quand on déclare une manifestation, on est responsable civilement de tout ce qui peut se passer dans cette organisation. Donc, oui, tout à fait. Je peux ici dire à ceux qui nous suivent que Mado Keraru, parce que la base de Mado Keraru à l'époque était la base qui était légalement reconnue, donc voilà, était déclarée. Voilà. Donc, Mado Keraru était donc à même de faire la déclaration d'une marque. Voilà. Donc, quand j'entends... le CCB qui est déclaré. Voilà. Donc, cette personne-là qui parle dans les réseaux sociaux et qui était dans la même situation d'ailleurs que Max Seignon Ivoire,
était le leader d'une basse qui n'était pas déclarée, d'une basse de bouche, d'une basse de terrain. La basse qui a aidé à renforcer le projet d'organisation, c'était la basse France de Mado Kiraro, et qui a mis les moyens en jeu aussi pour la réussite de ce projet-là. Bref, je m'en arrête là pour ne pas donner plus d'arguments aux gens qui veulent jouer au bras de fer. Simplement pour leur dire que s'ils sont venus du Cameroun, où ils ont eu l'habitude de marcher n'importe comment, de faire les choses à l'envers, ici enfin les choses sont carrées. Il y a une organisation. Il y a une structure légale qui porte l'organisation. Il y a un travail qui se fait dedans. Si quelqu'un vient dedans et part avec la caisse de la manifestation, cette personne est un détourneur de fonds publics. Point. Je ne vais pas vous dire les détails de ce qui s'est passé dans le groupe de travail. Une chose est sûre, on a fait confiance à quelqu'un qui prétendait, comme il aime bien s'autoproclamer, qui prétendait pouvoir recueillir les fonds cotisés pour ce projet et qui, au moment de reverser les fonds, d'ailleurs, il y a eu des guerres dans le groupe parce que les gens ne voulaient pas. D'autres ont rassuré en disant « Mais c'est pas grave. Oh, mais soyez pas tant suspicieux. Ce monsieur a l'apparence de quelqu'un qui ne peut pas nous doubler. » Tout le monde a fait confiance, on a laissé les caisses dans ses mains. À la fin de la manifestation, qui c'est qui sort du groupe? On a fait la manifestation, chacun est rentré chez lui le lundi, pap, l'ayatollah est sorti du groupe sans explication, sans rien. Et c'est comme ça qu'il est parti. Hein? C'est comme ça qu'il est parti. Alors qu'on se préparait à faire le bilan de la manifestation. Et avant même d'extrapoler jusqu'à la fin, je vais vous dire que quand il est parti avec la caisse, il nous a mis devant le fait accompli la veille de la manifestation. Et il fallait que les gens se mouillent pour que ce truc dont on avait fait du bruit, que ça allait être l'événement majeur de Paris, ne tombe pas comme un flop. Les gens ont mobilisé les fonds de leur famille. Et la personne que ces gens piétinent dans la boue aujourd'hui, qui est le général président Wanto, s'est mouillé la chemise et n'a pas hésité à mettre ses fonds propres pour la réussite de ce. Il a porté ce projet comme un homme pour que le projet réussisse. Entre autres personnes qui se sont vraiment... Les autres, c'était le bruit en l'air, oh, ceci ou cela, ceci. Lui, il a agi et de manière concrète et de manière efficace avec son équipe, avec le CCD. Donc, tous ceux qui à côté qui bavardent autour de ce dossier peuvent bavarder. Si ça peut flatter l'ego des gens dans les réseaux sociaux, c'est leur problème. Mais pour nous, le collectif de suivi de la cagnotte du 18 mai, c'est toute une équipe de combattants qui sont issus du comité d'organisation du 18 mai. Donc, c'est des gens qui étaient déjà là au moment où on organisait et qui ont suivi. Rajouter d'autres personnes qui ont été sensibles au fait que vraiment, soyons irréprochables nous-mêmes, si on veut exiger au Cameroun que la société s'assainisse, que l'administration, que le bien social soit bien géré. Montrons l'exemple. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été choqués de cette situation-là et qui ont bien voulu adhérer au collectif de suivi de cette cagnotte-là et qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Et je vous dis... Je vous dis que ces gens reviennent à la raison ou pas. S'ils reviennent à la raison, tant mieux. Et très vite, avant que ça ne soit vraiment très mauvais pour eux. S'ils ne reviennent pas à la raison, la justice française passera. Et comme il faut, je ne veux même pas vous dire ce qui s'est passé déjà, l'accueil favorable qu'il y a eu là-bas au niveau de la police judiciaire, au niveau du procureur et tout. S'ils veulent persister... Pensant que c'est les popularités dans les réseaux sociaux qui donnent raison dans un tribunal, eh ben on les applaudit à deux mains et on leur dit continuez. Une chose est sûre, on sait que la justice passera et ce qu'ils ne veulent pas donner naturellement, remettre naturellement
les biens d'une organisation, il le remettra par injonction judiciaire. C'est tout. Et s'ils tentent d'abuser mal à propos, ils en assumeront encore les conséquences du fait qu'ils se seront peut-être arrangés à faire disparaître. Ça, je ne veux pas trop entrer dans les détails. Une chose est sûre, et on est sûr de nous, on est convaincu, on est sûr de nous, que celui qui s'est porté devant pour porter la responsabilité d'une casse, d'un détournement de deniers publics, il en assumera la pleine conséquence. Et donc, cette organisation se chargera de gérer les passifs et de mettre en place un comité, selon la proposition du caporal Grier, que j'ai trouvé que c'était une bonne proposition, par rapport au fonds qui restera après qu'on ait soldé les passifs. Et je vous assure qu'il y a encore une somme confortable qui reste, puisque pour cette organisation, il y a un bilan d'activité précis qui a été fait et un bilan financier avec le détail de toutes les dépenses qui ont été validées par un cabinet d'experts comptables. Donc, ça veut dire que c'est un bilan financier où 5 francs est à sa place. Et je peux vous annoncer que, à l'issue de ce bilan financier-là, qu'on ne veut pas mettre dans les réseaux sociaux parce que la primeur est d'abord à la justice, j'ai entendu des gens venir chercher à créer des polémiques. Nous, on s'en fout de tout ça. Il y a un bilan financier qui est là. Il y a une somme confortable qui reste à la disponibilité du peuple. Et il y aura une commission selon nos propositions qui sera mise sur pied avec les leaders de chaque mouvement qu'on va leur demander d'envoyer un représentant. Ils se constitueront en commission. Ils analyseront, ils jugeront là-bas qu'est-ce qu'ils veulent faire des fonds qui restent. Mais ce n'est pas unilatéralement entre un braqueur de fonds et son colistier qui vient prendre le problème pour son compte à deux personnes dans une chambre qui vont décider de ce que cet agent public va devenir. Ça, je vous dis non. Et on a entendu tous ces personnes-là clamer haut et fort. Voilà, maintenant ils vont envoyer ça à la fondation AYA. Mais je vous dis, c'est une question de principe, de justice et de faire ce qui est juste et ce qui est normal. J'ai dit, en tant que porte-parole du collectif, que d'abord nous avons prévenu les responsables de la fondation AYA que si des individus les appellent pour prétendre qu'ils vont leur faire un quelconque don, qu'ils sachent que c'est des dons qui émaneront de fonds détournés. D'une organisation à une autre, on ne fait pas un don avec des fonds détournés d'une organisation pour une autre. Ça, c'est d'un. Et de deux, que s'ils s'amuseraient à accepter des dons détournés, là, ils se mettraient en complicité de blanchiment. Ils se mettraient en complicité de recel de fonds détournés. Et là, ils sont passibles, eux aussi, d'être poursuivis par la justice. Donc, qu'on soit clair et net là-dessus. Il s'agit d'un principe de justice sociale. Les fonds ont été braqués d'une organisation. Ils vont retourner à cette organisation. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et c'est tout ce que le peuple doit savoir aujourd'hui. Il est énorme, mais moi je vous dis, le dossier est constitué et en béton, hein, et on a plusieurs chapitres, plusieurs éléments de preuve. Le dossier est constitué, il est costaud et il sera complété et remis là où de droit. Voilà, et c'est de là où de droit que se passera la justice et nulle part ailleurs d'autre. Donc, que ceux qui aiment Ahmed Etouko lui disent la vérité. Quand on a un ami, on a le devoir de lui dire la vérité. Et si votre ami ne vous écoute pas,
Posez-vous la question s'il n'est pas lui-même entièrement trempé dans la complicité de maquillage et de détournement de ses fonds. Et donc, j'aimerais dire, pour terminer, au peuple camerounais de la résistance, que moi, je ne tire rien de ces fonds-là. Je me suis sacrifiée parce que je défends la justice. Quand ces fonds vont retourner là où ils sont, je ne fais même pas partie du CCD, ni de la base France, ni de nulle part. Je ne suis qu'une simple citoyenne qui était partie coordonnatrice d'un mouvement et dont on est venu prendre la caisse devant ses yeux. Et j'ai dit non. J'ai dit non. Et c'est un principe pour être en accord. Parce que moi, je ne veux pas travestir ma moralité. Si on s'est battu et qu'on dénonce qu'au Cameroun, il ne faut plus voler l'argent des caisses publiques parce que regardez ce que ça coûte à notre pays, on ne va pas couvrir les gens qui volent à côté de nous. Non! Je suis désolée. Et que ces gens soient un peu humbles à un moment donné, qu'ils se ressaisissent pour comprendre que bon, comme on a agi, ce n'est pas bon. Il faut savoir appeler un chat un chat. On a cotisé des fonds pour un événement précis. Ceux qui veulent envoyer l'argent chez Aya, qui mettent un PayPal en ligne, ils intitulent « Envoyez les fonds ici pour Aya ». Les gens vont cotiser, sachant qu'ils cotisent pour ça. On a cotisé pour un but précis, que l'argent rentre là où ça a été cotisé. Et ça fait partie de réparer le Cameroun, remettre les choses à leur place. Quand on dit que c'est un pays qui marche sur la tête, qui ne marche pas normalement, parce que justement, tu ne peux pas... La gestion d'une association, c'est quelque chose de très précis. Les gens ouvrent les associations ici et s'amusent. Ils ne savent pas que une association se doit d'une gestion rigoureuse de ses fonds et du budget. S'il y a un... Et transparente. Donc, vous ne pouvez pas faire le désordre. Même pour que l'argent quitte de cette association pour aller pour une autre cause, il faut d'abord que ça se statue au niveau de là où ça doit être. Et en l'occurrence, je sais que les associations qui sont porteuses du projet du 18 mai n'ont aucune intention de garder pour elles ce qui reste des fonds non utilisés de cette manifestation-là. Ils vont le remettre à la disposition du public camerounais. Sous couvert d'une équipe chargée justement de dire maintenant comment ils veulent faire de ça. Et si cette équipe-là veut, ils peuvent même solliciter l'avis du public pour leur demander, donnez-les vos avis. Sous couvert d'une équipe chargée.